Est-ce que vous avez changé? Est-ce que ce film vous a fait changer? C'est pas le film qui me fait changer, c'est la vie. C'est que quand j'ai écrit, c'était il y a 5 ans, et on était à 18 mois de relation, Loïc et moi. Les questions que je pose dans le film correspondent aux questions que je me posais à l'époque, et notamment, est-ce que la polyamorie peut permettre de faire durer l'amour au-delà des 3 ans? J'étais super accro, super amoureuse, et je me disais, je veux ça tout le temps, mais c'est pas possible. Donc, ça va durer entre 18 mois et 3 ans. Donc c'est foutu, on est déjà à la fin de la période passionnelle. Donc c'était les vraies questions que je me posais, c'est celle-là. Oui. Là maintenant, ça fait 7 ans qu'on est en relation, et forcément, on a changé, enfin j'ai changé, on a changé, on a tout appris ensemble de construire une relation, de quand tu veux, tu prends le micro, et de l'accueil des émotions, le travail. J'en profite pour vous annoncer que le 1er juin, je suis hyper contente, il y aura Catherine Emelée Périssol, qui a écrit tout, qui sur la logique émotionnelle et l'accueil des émotions, et elle nous a tout appris. On a fait des ateliers avec elle. On a grandi, on a changé, on a traversé des moments difficiles. Et évidemment, j'ai changé depuis 5 ans que j'ai commencé à écrire le film. Maintenant, est-ce que c'est le film qui m'a changé? Oui et non. On a voyagé, on a présenté le film à Berkeley, en Inde. Enfin, on n'est pas allé en Inde, mais on l'a montré à des Indiens, et donc on a fait des séances Skype avec des Indiens. On a montré le film à Vienne, à Lisbonne, il a gagné un prix au Canada. Donc forcément, on a rencontré des gens dans le monde entier. Donc on a découvert des ateliers, on est allé dans des conférences internationales où on a appris plein de choses qu'on importe en France. Tout ce qui est les soirées câlins, les cuddle parties, des choses comme ça, on a découvert ça aux États-Unis. Voilà. Donc ça nous a changé. Le film nous a permis de voyager et de découvrir plein de choses qu'on connaissait pas. Est-ce que c'est le film qui m'a changé? C'est la vie qui nous change, et heureusement qu'on n'est pas figé dans une position. Mais...